Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission NGO TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui s'est passé ce mercredi, ainsi qu'en fin d'émission d'un petit tweet de Nation Globe. Commençons. Ce mercredi, Keta, chef du Guinée-Bissau, a tiré un raid mateur sur le Cap Vert dirigé par Marjolis, aux alentours de 20h30. Le Cap Vert, petit archipel de l'océan Atlantique connu sur le serveur Orange pour son extrême richesse, aller à un moment ou un autre attirer les amateurs de dollars qui pouvaient y voir une belle opportunité de tirer un raid-mateur pour un moindre de coût, voire d'être rentable, ce qui n'est pas une mince affaire. Keta, chef de la Guinée-Bissau et Neyix, modérateur, nous ont confié les coulisses de préparation de ce raid-mateur. Dans la fin d'après-midi, Keta échangea son pays, la Sardaigne, contre la Guinée-Bissau. Puis, dans un délai de 2 heures, il aménagea l'entièreté du territoire pour pouvoir valider l'expansion territoriale. Ensuite, il allait voir Rego, administrateur, pour pouvoir tirer son raid et déclarer sa guerre. Dès que l'expansion fut mise sur le Discord, la guerre fut déclarée, acceptée et Keta lança l'assaut pour tirer son raid. Tout ça en très peu de temps. Il remercie d'ailleurs un staff réactif et très à l'écoute. Il lança donc son raid mateur, faisant baisser le pouvoir de 52%, il fit tomber le Cap Vert en sous-pouvoir de 200 claims. Le Cap Vert se retrouva donc tel un gruyère troué par les lignes de claim. Mais Keta n'avait pour lors trouvé des BK. Pendant ce temps, les Cap Vert ont tout pour le tout, acheta un rocket launcher et tenta de récupérer tous leurs items comme un dino bike, pony bike et quelques autres objets de valeur. Keta tomba sur 3 d'entre eux. En effet, en tentant de récupérer leur stuff, ils avaient dévoilé leur position. Au final, les 3 individus furent tués et un rocket launcher a donc été droppé. Le BK fut pillé avec un grand nombre de stuff de valeur récolté. Voici quelques screens du stuff récupéré. Quand vous alliez participer à un assaut, c'est vous qui n'êtes pas là. Vous avez mal, vous êtes lent, vous pensez que tout est fini. Et vous prenez un Doliprane, puis tout repart. Doliprane, car chaque assaut prend la peine d'être gagné. À acheter près de la gendarmerie, médicament contenant du paracétamol, attention au risque pour le FS en cas de non-achat. Passons à la suite. Un autre événement a lieu ce mercredi sur le Twitter de Nation Glory, teasant mise à jour proche. Un détail nous a attiré l'attention. En effet, un emoji fusée a été placé sur le tweet, ainsi que Mr. Sand a répondu également avec un emoji fusée à ce tweet. Sera-ce la mage des énergies ou une mage galacticraft qui approche? Merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas d'aller voir notre site internet ainsi que nos différents articles sur le forum. Bonnes vacances et bon jeu sur la chaîne Glory Orange.